Action! Le gars, c'est un malo. Oh, du bon, non? Ouais, du bon. Ouais, hey, bon, machete. Alors, ça ment pas. Hein. Toujours venu te décaler à toi. Ouais, mais tu vends du bon mouvement. Ouais, tu as le las. Ouais. Mmh. Vas-y, décalé. Opération tranquille. Ouais. Ouais. Oh, Lion. Lion, il est là. Attendez là-bas. Bengis. Qui appelle Lion comme ça? Lion, Lion, Lion. Oh, je veux la douce. Hé, hey, mon frère, tu te calmes, c'est quoi ça? Hein? Yo, Lion, c'est qui ça encore? Hé, hey, recule. Oh, reste cool, mon gars. Là-bas, c'est si vrai. Tu veux voir Lion? Elle m'a acheté. Lion, il est là. Lion? Quel Lion? C'est elle Machete qui est là. Ok, Machete. Ouais, c'est qui est le boss? C'est Lion Machete qui est là. Le roi de la forêt, oh. Okay. Le boss. Le boss, Lion, c'est comment? Ne fais pas ça, fils. Toi c'est la moustique. Faut pas faire ça. Moustique. Yo, toi aussi. C'est comment? Ouais, t'as bon mouvement pour moi, non? Ah, toi aussi, toujours, Pélation. Bien pris, les gars. C'est quoi, tu es venu, t'es un petit moins. Ok, à pas de drap. Faire ça, chap, chap. Mais il faut donner des conseils à ton moron. Hé. C'est quoi ça? Mais eux, baby, ça. Et bien, si, Hé. Tu as quel problème? Moustique. Faut dire à ton frère. Non, on va pas s'asseoir. Donc, à se calmer. Vous vous calmez. Attendez, doucement. Attendez, va vous envoyer. Mets-la à côté de moi ici. Sinon, moi, je ne peux pas accepter que quelqu'un te manque de respect. Mets-la à côté de moi ici. Elle m'a acheté. Ici, là, c'est la baba. Tu as pris, non? Dégagez. Et vous n'avez pas trouvé. Il y a quoi? Il y a quel problème? Il y a quel lieu? Comment c'est quoi? Elle m'a acheté. Les moustiques comme ça, là, c'est pas bon. Viens tester là, viens tester là. Donne feu là, donne feu là. Donne feu là. Viens tester avant de dire. Bon, c'est de la bonne huile. Dis à ton moron de rester cool. Lion! C'est pas parce qu'on appelle mon moustique. Tu es parti à Hollande ou bien? Moustique! Non! Avant le jet. Moustique! Arrête de parler, c'est que tu es Josie. Faut fumer. Prends un peu. Ok, cool. Tac. Moustique! Voilà ton dieu là. Mon petit, faut sciencer, on va aller bara. Faut sciencer, on va aller bara. Tiens. On va aller fabriquer l'argent. Ça c'est vrai. Oh. Augmente la valeur. Oh Lion, c'est pas parce que tu m'as donné bon skunk. Attends, mais tu sais que c'est bon, non? C'est un foutu ça. Tiens. Ok. Maintenant, tu me réserves un bon loyer, allez travailler. Et les gars. C'est bon, hein, c'est bon, hé. Hey. Bah, allons travailler, c'est quoi ça? Vous pensez c'est quoi? Allons, sortez du ghetto, allons travailler. Hi. On va fabriquer l'argent. Conseil à ton moron. Allez-y. Moustique, allons. Ouais, moustique, après, on vient. Ouais, après. Faut me réserver mon ken là. Ah, t'inquiète, voilà. Tu vas gérer ça pour toi, hein. Elle machette, ça c'est quoi ça? Non, ça c'est moustique. Lui là, il a les vraies opérations, hein. Mais il est trop jolly. Non, ça c'est un petit bizarre même qui l'est venu. Ah, le boss. Ouais. C'est la recette de la semaine, hein. Tout ce que moi et puis Fata. Voilà, toi tu es un bon. Voilà, toi tu barres. Voilà, c'est bon. Regarde, c'est demain, faut pas oublier l'autre côté, hein. La fois, le boss. Il sait que tu es. Tout ce qu'il y a là. Elle machette. Ouais, je dis. Elle m'a acheté. Ouais, il t'écoute. Mais tous les gens là, tu. Mais attends, toi même, quand il te parle là, même, pourquoi tu es comme ça, même? Il te dit actuellement là, on doit gérer un autre ghetto. Il te mettre là-bas. Faut te calmer ou bien? J'aime trop l'argent. Ça dure trop, man. C'est quoi ça? Il te parle et puis tu parles quoi? Il n'aime pas ça. Hein? Faut pas travailler, même. Va travailler. Va encaisser les morons là. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Même si c'est un petit 20 000 là-bas, ou bien. Moi, j'aime pas ça, là. Tiens. Elle m'a jeté. Faut partir, va. Yeah, elle m'a jeté. C'est toi qui es là, il t'en a embé. J'ai dit d'aller travailler, tu n'as pas entendu. J'aime pas ça, là. Bon, les gars, on se reprend, non? Attends, qu'il fasse. À tout à l'heure. Là, même, là, il vient déjà le changer, mais parce que son comportement est deux jours, là, même, j'aime pas ça. Tu dois gagner, là, tu fais perdre l'argent. J'aime pas ça, là. On tombe là-bas, on prend tout. On prend tout.
Allez, madame. Couche-toi, hé. L'argent vient de viol, c'est quoi? Hé, les gars. L'argent, c'est quoi? L'argent, c'est où l'argent? Donne-moi de l'argent. Tu viens de viol. Hé. Oh, dépêche. Donne l'argent. Tu viens de viol. Donne l'argent, s'il te plaît. Dépêche-toi. Donne ici. Faut que tu mets dans la poche. T'as quel problème? S'il te plaît. Dépêche-toi. Il y a quoi? Et les bijoux? Non, pardon, s'il vous plaît. Oh, dépêche-toi! T'as quel problème? Allô, allô, on se bat. Hé, arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Monsieur le commissaire, nous avons séquestré les deux bandits et les autres sont enfuis. Et je pense qu'on a blessé un, mais je ne sais pas vers où il est rentré. Donc viens rapidement, afin qu'on puisse voir sur le carrefour littéral, vers, en allant vers ce Bakou, sur le carrefour du Roche Baboué. Ok, dépêche-toi rapidement mon commissaire, afin qu'on puisse retrouver ces deux autres bandits qui se sont enfuis. Ok, m'aidez 5... Position A, pareil, chez le Kandis Zadou. Lieutenant officier Bakou Bakari Sayan Bakatifor. Ok, 5-5. Merci. Ah oui, 5, l'eau chaude versée sur lui. C'est fini ça, c'est fini pour lui, c'est fini. Il a mangé de la tomate. C'est fini ça. C'est fini. Ok, tout à l'heure je vais l'appeler le commissaire. Et il arrive tout à l'heure, on va faire le constat et puis on va comment on va les évacuer. Mais les deux autres, on doit forcément les arrêter. Le sergent. Oui. Okay. Tout à l'heure, on va rapidement voir comment on peut séquestrer les deux autres. En fait, que celui-même dont on a tiré sur son bras, il a laissé son âme, mais on ne sait pas où il s'est enfui. Donc je pense que nous allons encore. Voilà, mais une personne reste parce que le commissaire arrive déjà. Okay, et qu'une personne reste, donc je pars avec toi. Officier Gaou, officier, officier, ouais, je suis dans l'intervalle A3. Ouais, j'arrive tout à l'heure. Tiens, c'est pas facile, hein, le mouvement là. Bon, c'est ça, il est pas arrivé ici. Tiens, voilà. Oui. Tu as trouvé un pistolet? Non. Tiens, si. Lève tes mains. Lève tes mains. Tu as trouvé un pistolet? Je l'ai pris, je vais le prendre. Qui t'a blessé? C'est le flic? Oui, c'est le flic qui m'a blessé. Je vais prendre le flic. Tu as volé? Oui, je me connais? Je m'appelle l'officier Rousseau. Donc tu es voleur? Oui, je suis voleur. Ah bon? Et puis tu es blessé? Ne me tuez pas, je vous en prie. Pourquoi pas te tuer? Pourquoi pas te tuer? J'ai tout le fric que vous avez besoin. Le quoi? J'ai le fric. Tu penses que moi c'est un policier corrompu? Je suis commissaire moi. Pour l'amour de plein. Ne me tuez pas. Commissaire Rousseau. Jésus au secours. Ouais, je suis comment? Ne me tuez pas. Ouais, t'as quoi sur toi là-bas? C'est une arme? Prenez. C'est quoi ça? Prenez, je vous en prie, prenez. Dépose ça. Prenez. Dépose. Je vous en prie, ne me tuez pas. Ceux qui ont crié sur toi, ils savent que tu es lance toi? Non. Ils savent pas? Ils savent pas. Ok. Ils savent pas. Ne me tuez pas, je vous en prie. Je vais pas te tuer? Ne me tuez pas. Je ne veux pas te tuer. Ne me tuez pas. Tu l'as fait, moi? Ouais. Pour toi, bien là-bas? Ouais. Y'a quoi dans le sac là-bas? Y'a rien. Lève-toi. Cours. Vas-y. Cours. Imbécile là! Officier Rougeau! Officier Rougeau! Ils sont venus pour aller les visager! C'est dit quoi ça? Police, y'a rien là? Moi! Officier Rougeau! Tu peux pas laisser ça! Putain!
Attends, il n'a pas fait du sang ici. Il n'est pas vu. Vous n'avez pas vu un volant là-bas. Il n'y a pas un volant là-bas. Allô. Allô. Ouais, officier Gawa. Oui. Tu as laissé le volant parti par où? Mais vous ne valez rien. Vous ne valez rien, je vous dis, vous ne valez rien. C'est comme ça, vous comprenez ça. Je vais vous renvoyer. Avec votre machette. Je sais qu'on est sur l'axe de tout ça. Ah, mais c'est comme ça, je suis là. Oui, oui. Ok. Fini. Mon commissaire, c'est là-bas. Oh, fini, c'est là-bas, comment? Je pense que c'est par ici que le bus s'enfuit. C'est sur l'axe que je t'ai indiqué. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Mais tu transpires comme ça, le commissaire. J'ai poussé le voleur. Ah bon? Oh putain, il m'a échappé. Tu l'as pas eu? Non, non. Oh merde, Seigneur! Il m'a échappé. Juste pour celle-là qu'il est passé? Il m'a échappé. Ah bon? Mais comment il était blessé? Comment il était échappé? Il était blessé vers où? Ah, j'ai tiré son bras. Bras à ses pieds. Bras à ses pieds. Fallait tirer ses pieds, il n'allait pas courir. Il avait déjà perdu l'équilibre. Équilibre. C'est lui qui avait la soupe. Toi, tu sais s'il fait sport ou bien s'il fait pas sport. Ah, mais moi, je sais pas. Alors? Ah, mais comme ça, t'as été formé pour ça? Mon commissaire, vous n'êtes pas blessé. Oh, mais où tu transpires? Oh, mais laissez, arrête de me fuir, c'est quoi? Transpirer comme ça? Mais c'est normal. Arrête de mettre le commissaire, s'il te plaît. À vos ordres. Écoute l'officier. J'aime pas ça. Écoute l'officier. J'aime pas ça. À vos ordres. Nous avons déjà raté les voleurs. Alors? Nous avons séquestré deux, ils sont morts. J'aime pas ça. Alors? Arrête de mettre. Commissaire, il y a deux qui sont morts. À vos ordres. Alors? Mais je pense que vous êtes très essoufflé. Je pense que vous allez vous reposer. Voilà. Ok, merci. Vous voulez le poursuivre encore? Non, on peut continuer. On peut continuer maintenant? Essayez, voyez, essayez, voyez. Allez, écoute, allez, écoute. Voilà. Je dis maintenant, hein? On peut continuer? Non, ça va. C'est loin, FSC. Écoutez, il veut qu'on la lape avec notre monde. Non, ça va. Ah, écoutez, rien. Serrez. La marmite, FSC. Serrez. Le riz. Allons-y, s'il vous plaît. Ok. Mes respects. Ok. À deux pas, on vole. Il est parti vraiment, hein? Ouais, il est parti. Allons-y. Oui. Allons-y là-bas. Allez-y, je vous rejoins. Ça, c'est le cas pour commencer. Hey. Allez-y, je vous rejoins. Je dois appeler. Je dois appeler le ministre. Je vais faire un rapport. Mais monsieur le commissaire, aidez-le, s'il vous plaît. Oui. Oui. Il faut qu'on puisse appeler le grand commissaire. Oui. En fait, l'annoncer parce que nous avons déjà fait les rapports. Oui. Afin que les deux autres rendants puissent appeler l'ambulance pour venir les chercher. Oui. Donc, si vous pouvez l'appeler. Si t'as crédit, faut appeler l'ambulance. Si t'as crédit, appelle l'ambulance. D'accord, pas de problème. Appelle. Tu es un officier ou bien t'appelles un officier? Il n'y a plus l'eau de l'argent. Tu veux que je souffle? Merci, après. Alors, moi j'appelle le ministre là pour lui faire un rapport. Et puis je vais voir le rapport sur mon bureau tout de suite. Hein. Y a pas de problème. Tout de suite. Allez-y. Allez loin. On ne sait rien de la vie. Depuis le matin, mon fils est sorti, le prince, il n'est pas encore rentré. Je ne sais même pas où il est parti. J'appelle, il ne décroche pas. Je ne sais même pas ce qui se passe. Myriam, maman, m'a apporté de l'eau. Mais le prince est sorti et sa soeur jumelle. Elle aussi n'est pas encore rentrée. Pas encore, maman. Va voir dans la chambre si sa jumelle est là-bas. Parce que pour le petit, il n'est pas encore rentré. Je suis très inquiète. Va voir et tu viens me dire si elle est là. Ok, maman. Et maman, quand tu ne vas que dormir, ton frère est sorti depuis, il n'est pas rentré. Et tu sais que les gens ne l'aiment pas dans ce village. Le lieu que tu m'as de lui. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire là? On va aller le chercher, puis tu ne vas que dormir. Qu'est-ce qu'il ne va pas être toi? On parle de lui d'abord. Mais elle est où celle-là? Qui? La séance. Elle est là-bas, c'est elle qui m'a donné le mot. Elle ne sait pas ce qu'on veut dire. C'est elle qui m'a donné. Elle est là-bas. Appelle-la. Oh, mamie! Maman! On va le rebeller, on va le faire. Merci. Assis-toi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mon office. C'est un vrai cancer, là. Il ne fait que faire que de mauvaises choses. La dernière fois, il était avec un de ses gros bras. Mais laisse tomber, tu vois, le gars André, il est à moi. Devant la maison, il a fait appeler une jeune fille avec son copain. Mm-hmm. Il allait prendre la fille. Mm-hmm. Il a fait envoyer son garde-corps pour aller chercher la fille.
dans le gros bras. C'est son père qui lui a donné ce gros bras comme garde-corps. Tu sais pas ça? Moi, je suis pas au courant. Ah, si, c'est son garde-corps. C'est son père qui lui a donné pour le protéger. Parce que tu sais que les gens ne l'aiment pas. Pour qu'on l'adresse pas. Donc, ah, mais qu'il arrête, ses histoires de brigandage. Oui, mais on va l'aider. À faire quoi? À changer. Ah, mais maman, je suis fatiguée. Tu es sa soeur jumelle. Mais j'ai trop parlé. Et si là, tu ne fais rien, qui va le faire? Non. Mais tu dois l'aider. Il n'a qu'à changer. Les soeurs sont là pour ça. Tu dois l'aider. Moi, je suis la maman, je parle, il ne m'écoute pas. Mais toi, moi, tu es sa soeur, il doit t'écouter. Donc, tu fais une fois, tu lui parles. C'est pas en l'insultant, le grondant que ça va changer. Mais prends-le avec ruse. Tu comprends? Et il va t'écouter. D'accord, maman. Qu'est-ce que tu vas faire, maman? Bon, tu vas sortir. Essaye de voir si tu peux le trouver. Parce que moi, ça m'inquiète beaucoup. Fais un effort, s'il te plaît. Non, vraiment. Pardon, fais un effort. C'est ton frère jumeau. Mais toujours, c'est lui, mon chat. Parce que si je le frappe, c'est lui. Je le frappe aussi. Vous ressentez les mêmes choses, les mêmes douleurs. Fais un effort, pardon, ma chérie. Fais un effort, ma chérie. Fais un effort, s'il te plaît. J'ai compris. Je vous attends, moi, je suis dans le sofas. Je vous attends. Chérie, ça va très bien. Tu m'as manqué. Hein. Toi, tu regardes. Il faut retenir, retourne ta tête. Tu m'as manqué deux jours là. T'es manqué là. Tu vois ce gars là, c'est mon deuxième gars de corps. C'est bien. L'autre là, en forme, le gars que mon papa m'a donné pour le village. Lui là, il est dangereux. Hein. Tu as vu, c'est mixte. Oui, regarde tout ça. Il est bien là. Voilà, il va faire des coups pour moi dans le village. Là, tu es dans mon royaume. Tu n'as pas peur de quelqu'un. Si tu vois une femme, tu manges quelque chose en train de manger, tu peux l'arracher pour manger. Tu dis que tu es la copine du prince. Tu vois un monsieur qui garde sa voiture, tu dis dépose-moi dans tel coin. S'il refuse de te déposer, tu prends le numéro de matricule, tu m'amènes. Okay. Tu dis que tu es la copine du prince. Il n'y a pas quelqu'un qui peut t'empêcher de faire ce que tu veux. Tant que tu es dans ce village, il ne faut pas avoir peur de quelqu'un. Okay. Et puis j'ai une soeur. En fait, je ne sais pas, il n'était pas ma sœur jumelle là, voilà. Elle est effrontée. Je ne sais pas si elle est à la maison. Je veux la voir. Tu veux la voir. Je sais pas si elle est là. Elle est effrontée là. Si tu la vois, faut pas. Si elle parle, tu te tais. Faut pas, même pas lui répondre même. Parce qu'elle là. Elle cherche des occasions comme ça là. Pour toujours m'insulter devant les gens. D'accord. Mais si elle m'insulte devant toi, tu dis rien. Voilà. Ok. Merci, maman. Il t'a parlé, non? Il t'a parlé, non? C'est ma chérie. Regardez-le. Ça, tu es. Mets-toi ici. Mets-toi là. Tu te mets devant un vieil. Et toi, tu penses que tu es quelqu'un de normal? C'est ma soeur jumelle. Il dit quand elle parle, vous ne parlez pas. Toi, tu es qui? Il dit quand elle parle, tu ne parles pas. Tu vas me poser une question, la question, c'est le champion de tous les champions. C'est ma soeur jumelle. Ça veut dire que quand je. Voilà pourquoi elle a fait ça, je t'ai dit, n'est pas agi. Faut pas t'occuper d'elle, tu es là, tu travailles pour moi. Mais le boss, c'est pas normal. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Non, mais elle est venue, elle a enlevé votre pied sur la table. Et puis quoi? Mais c'est pas normal. Tu veux dire quoi? Tu sais c'est qui? Le boss, même si c'est votre soeur, nuit à votre réputation. Hein. Peu importe, celle aussi c'est sa réputation. Toi, assieds-toi là-bas. Comment tu peux prendre la défense de qui? Je t'ai trop frappé là. Tu penses que tu as devenu un gros bras. Ça m'énerve. Et puis c'est qui même celui-là? C'est mon autre gars de corps. Comme l'autre là. L'autre là, il l'a envoyé en mission. Donc je l'ai pris pour travailler avec moi. C'est un gars, il est vraiment rigoureux sur le terrain. Dis ton nom à ma soeur. Moi, c'est Malik Terminator. 17 fois champion. L'homme qui casse la mâchoire du lion avec la main. Malik Terminator. Et puis de faire quoi avec ça? Moi je m'en fous. C'est un poulet. Malik, tu dis rien. Hein? Tu ne parles même pas. Je t'ai dit, ne pas parler. C'est ma soeur jumelle. Voilà. Pas parler avec elle. Et puis ce gars-là même là, il doit avoir des antécédents juridiques. Quand tu prends un gars comme ça, je préfère la machine. Mais la machine, t'es toujours avec moi. Lui là. Il les fait venir, c'est moi qui décide. Quand toi, papa t'attribue des gens, les filles, elles font tes cheveux. Toujours oh, sont tes ferme là. Hein. C'est moi qui te dis, je ne veux pas voir tes filles. Mais va dire à ta mère que tu as assis ici, avec ton corps de ses filles. Ah, c'est la jalousie. Ah,
on t'a dit qu'il était dehors là-bas avec ses copines bizarres. Hein? En tout cas, franchement, moi je ne veux plus aller le chercher. Hein. Ah, il est venu, il est dehors. Ah, je veux plus aller le chercher. Pardon, appelle-le pour moi. Il m'énerve. Appelle-le-moi, s'il te plaît. Je ne peux plus, maman. Ah, ok, moi-même, je vais aller. C'est pas grave. C'est mon fils. Oh. Il est bon, il est mauvais, c'est pour moi. Tu vas pas aller. Oh, c'est pas toi, tes femmes, tu as l'argent. Tu vas le toucher. Laisse-le. Moi, je viens d'appeler. Laisse tomber. C'est quoi, même. Prince, oh. Prince. Trop jalouse. Elle est jalouse de moi. Hein. En fait, c'est ma soeur jumelle. Elle pensait que. Elle se voit en garçon. Tu comprends, non? Elle se voit en garçon. Sinon, tu peux pas venir trouver quelqu'un. Elle sait même pas si tu es ma femme, ma future femme. Hein? Elle jette mon pied devant toi. Tu as raison. Ou bien, si au moins elle avait un peu de respect pour moi-même là. Elle sait pas quoi. Moi, j'ai demandé à un moment, moi, elle là, qui est sortie premier. Mais le boss, moi, il t'a dit que je suis là pour ça. Je suis là pour gérer toutes les missions. Dans le village là, c'est moi, il t'a dit fais quelque chose et puis tu fais. Tant qu'elle te dit pas, champion attaque. Quand il dit champion attaque, tu attaques. Tant qu'elle te dit pas, tu fais rien. T'as compris? Ok, le boss. Voilà. Le boss, il peut faire quelque chose pour vous. Quelle chose? Et calmer votre soeur. Comment elle doit la calmer? Le boss, il a fait quelque chose pour toi. Quelle chose tu vas faire pour la calmer? Le boss, c'est une surprise. Bon, ma soeur jumelle, faut même pas te mêler de quelque chose. Si elle vient, me tape, elle fait quelque chose, tu n'as pas à te mêler. Sinon, tu vas retourner où tu es quitté. Et puis, faut plus parler de ma soeur comme ça. Quand tu parles de ma soeur comme moi-même, là, ça m'énerve. La machine ne fait pas des trucs comme ça. Hein? Tu as compris? Tu as compris? Je te parle et puis tu ne réponds pas. Il a raison, hein. Attention. Tu ne réponds pas. Il dit, tu as compris. Il faut répondre oui, oui patron. Oui, oui, chef. Ok, oui, c'est bon. Et puis, donc, faut pas me regarder. Donne dos. Donne dos là-bas. Toi, continue de faire ce que tu faisais. Viens. Passe comme ça. Fais le tout. Oui, le boss. Celui-là, mon pied, il faut le mettre à sa place. Voilà. Ok, arrête-toi derrière moi. Ça va? Tu te sens bien? Oui. Attends. Le commandement de ma soeur. On ne peut pas parler de ma soeur, sinon tu auras des problèmes. Ah bon? Tiens ça. Voilà, je t'ai quelque chose que tu as mangé. Ok, merci le boss. Va dans le côté ici, là, tu manges. Faut pas aller loin, hein. D'accord, le boss. Ça va? On va laisser reposer maintenant. Oui. Tu as envie, non? Hein? N'étais pas les pistes que j'ai envie de dire. Prince! Prince, tu es où? Prince! Maman!